Bonjour Monsieur le maire de Terrasson, Pierre Delmont, toujours aux commandes, puisque on n'a pas eu le temps de passer le flambeau. Donc vous êtes encore là pour cette situation de crise sanitaire. Alors est-ce que l'on peut vous demander tout de suite comment ça va se passer au niveau des masques, parce qu'il y a une distribution exceptionnelle de 12 000 masques prévus sur le Terrassonnais. Comment ça va se passer? Ben écoutez, je pense que j'espère que ça va bien se passer. Je dirais que le gros problème, c'est ça a été l'anticipation qu'on était obligé de faire. Et puis, comme on connaît le slogan, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, les masques, oui, les masques, je pense qu'on va en avoir une certaine quantité. Pour être précis, à un jour près, fin de la semaine prochaine, on sera en mesure de distribuer des masques. On a fléché la fabrication de 4 500 masques qu'on devrait avoir théoriquement en fin de la semaine prochaine, et puis 7 000 masques qui sont commandés, qu'on devrait avoir, je dirais, allez, dernière semaine de mai. Voilà. Donc au total, effectivement, ça nous fera 12 000 masques et qu'on a envisagé, à partir de fin de la semaine prochaine, début de l'autre, de distribuer des masques, bien entendu, en priorité aux structures où les masques sont indispensables. Laissez à l'initiative de chacun, mais quand même, il y a des recommandations. Et puis ensuite, après, on distribuera minimum 2 masques par famille. Voilà. Donc l'organisation est en place. Ça sera à la salle des fêtes. Les gens rentreront d'un côté et sortiront de l'autre. Donc tout ce qui est gestes barrières, tout ce qui est sanitaire, etc., etc. Bien entendu, je ne vais pas énumérer tout ça. Je pense que de ce côté-là, c'est bien rodé. Tout ça sera mis en place. Et je pense que de ce côté-là, ça devrait bien se passer. Alors, je crois que cette opération ne peut pas se faire sans l'aide, le soutien de couturières, d'entreprises et d'élus. Alors, en ce qui concerne les élus, bien entendu, les élus ont mis la main à la pâte, ce qui me paraît tout à fait normal. Et puis un grand coup de chapeau au Conseil général, qui, lui, nous a fourni la matière première, parce que c'est grâce au Conseil général, si nous avons la matière première, là, on devait recevoir une grande partie de nos besoins en matière première par l'armée, qu'on n'a pas encore reçue. Ça ne serait tardé. Et puis, bien entendu, en revanche, l'armée nous a beaucoup aidés, notamment en ce qui concerne l'homologation, puisque tous les masques qui seront distribués sur la commune ont la certification AFNOR, c'est-à-dire que ce sont des masques qui seront des masques agréés. Voilà. Et comme on a, je dirais, comme on a eu, c'est pas de la chance, je crois pas beaucoup, notre atelier protégé, Périgord en Source, je le rappelle au passage, qui a été en grande partie sur mon initiative, avec M. Lamelardi, puisqu'on était les deux fondateurs. Et donc l'atelier protégé qui va fabriquer les masques. Voilà, et je pense qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer la quantité de masques qu'il nous faudra. Donc un grand coup de chapeau au Conseil général et bien entendu un grand coup de chapeau à l'atelier protégé qui va nous fournir à des prix vraiment, vraiment, vraiment raisonnables la quantité de masques et entre parenthèses, bien entendu, les masques seront gratuits. Une entreprise qui emploie une grande partie de personnes handicapées, je crois, d'ailleurs, le Périgord. L'atelier est très connu quand même, depuis 1993 qu'il est en place, 1994. Aujourd'hui, c'est plus de 80 emplois, beaucoup d'handicapés, puisque c'est un atelier protégé. Et un atelier qui marche très très bien, et c'est d'ailleurs une de mes adjointes, Madame Dupuis, qui est à la tête, qui est directrice, comme vous le savez, de cette structure qui marche très bien. Donc, les couturières bénévoles se sont présentées d'elles-mêmes, et donc il y a aussi des ateliers qui vous aident, et donc les masques seront tous opérationnels, si j'ose dire. Je pense que les terrassonnais ont eu le réflexe, pour certains, de se fabriquer des masques. Malheureusement, ils ne sont pas aux normes. Donc là, je ne pourrais pas vous dire, et je ne pourrais pas faire je ne connais pas les quatre coins de la pièce pour vous dire combien il y a de masques qui ont été faits par des privés ou par. Non. En ce qui concerne, je vous parlerai simplement que le côté municipal, où je pense qu'on est équipé pour. On est équipé pour. Voilà. On aurait dû d'ailleurs peut-être s'y prendre. On a fait un petit peu comme notre gouvernement, qui est plus qu'à la traîne. Des décisions prises, puisque les masques auraient dû être à la disposition des Français depuis déjà 3 semaines minimum. Voilà, ceci explique cela. On ne va pas rentrer là-dedans parce que ça serait assez dramatique et j'aurais tellement de choses à dire négatives que je m'abstiendrai.
Est-ce qu'à Terrasson, je sais qu'il y a certains maires dans certaines communes qui vont obliger le port du masque dans beaucoup d'occasions. Est-ce qu'à Terrasson, il y a une réglementation particulière? Non, c'est comme celle qui va se passer au niveau national. Je pense que oui, puisqu'il y a eu, le tempo a été donné par l'État. Il est certain que chez nous, le max sera recommandé, notamment dans des structures comme la médiathèque, qu'on va rouvrir, mais je pense qu'on va en parler peut-être tout à l'heure. Les structures qu'on va rouvrir le plus rapidement possible. Mais bien sûr, le port du masque sera, dans certains cas, obligatoire. Mais ce sera quand même laissé à l'initiative de chaque citoyen de mesurer les risques qu'il prend ou pas. L'ouverture des classes, en parlant d'école, l'ouverture des classes, c'est prévu peut-être mardi prochain, si j'ai bien compris. C'est ça, tout à fait. Ça y est, tout est en place. On a même le sondage, puisqu'en réalité, on a fait un sondage auprès des parents. Voilà, il y a plusieurs réunions qui ont été faites à mairie, voilà, où le futur maire, puisque moi je suis maire par intérim, en réalité, c'est un peu ça. Voilà, donc Jean Bousquet a animé ces réunions, tout est bien calé. Donc en principe, et malheureusement, on devrait avoir un cinquième des élèves de maternelle et du cours élémentaire, qui devrait reprendre le chemin de l'école un cinquième. C'est-à-dire que dans la maternelle, on va avoir à peu près 20, et puis cours élémentaire 75, bon, ça fait pas grand-chose, puisqu'il faut savoir que des pitchouns, on en a, si mes souvenirs sont bons, on a 546, aujourd'hui l'effectif, c'est, allez, on va dire 550 pitchouns qu'on a sur la commune. Voilà, mais je pense que la montée en puissance va se faire très rapidement, dans la semaine ou les 15 jours qui suivent. Donc, bien sûr que nos pitchouns seront alimentés, puisqu'on fera trois services. Tout le dispositif est mis en place, comme il se doit, comme on entend parler tous les jours à la télévision. Voilà, gestes barrières, etc., etc., laver les mains, etc. Bon, bref, tout ça, c'est en place, tout ça va être... Je pense que ça va bien se passer. Puisqu'on parle de l'école, il y a une suppression de classe peut-être à la rentrée prochaine prévue à Terrasson. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce côté-là? Eh bien oui, quand même, je m'en suis préoccupé puisque j'ai réussi, entre guillemets, je connais bien Monsieur Caillot, qui est l'inspecteur de l'académie, je parle au niveau départemental. Donc Monsieur Caillot, que j'ai eu au téléphone longuement, donc je pense que son positionnement de supprimer le poste, il faut quand même vous dire qu'on s'est bien battu l'an dernier puisqu'on a eu deux postes supplémentaires. Mais donc le poste devrait, je pense que ça sera revu, revu en juin ou en septembre ou plus tard. Donc je ne veux pas anticiper, c'est pas dans mon genre, vous savez, moi je dis les choses que quand elles sont derrière moi ou qu'elles sont faites, mais espérons qu'on pourra garder ce poste supplémentaire. Voilà, puisque les effectifs sont également en augmentation, hein, partout. Oui, on va arriver à 550 élèves minimum, cours élémentaire et primaire. Donc oui, on doit augmenter parce qu'on a une tendance forte, si vous voulez mieux, compte tenu des gens qui arrivent sur la commune, qui viennent de l'extérieur, compte tenu des constructions quand même qui avancent bien. Terrasson est en train de décoller au niveau de l'habitat. Très bien. Est-ce que, je change de sujet, est-ce que les subventions aux associations ne vont pas souffrir de cette crise sanitaire? Ben écoutez, je pense que c'est une de mes préoccupations. On en parlait hier en bureau municipal, restreint. Il n'est absolument pas question de toucher aux subventions. Je pense que je serai encore à leur côté, puisqu'on commence à y travailler sur le budget 2020, fonctionnement, investissement. Je pense que les subventions aux associations ne seront pas touchées, bien au contraire, puisque hier je parlais pour voir si on pouvait peut-être faire quelque chose pour créer de l'animation sur notre bassin de vie, voire je crois que la fête des associations, c'est le 8 septembre. Si on peut faire quelque chose avant, ou si on peut amplifier cette manifestation, peut-être faire quelque chose de beaucoup plus, ce que je souhaiterais, beaucoup plus grandiose, on va dire. Donc, non, les associations ne seront pas oubliées, bien au contraire. Vous allez suivre certainement de près aussi la reprise des entreprises locales.
Vous êtes habitué, si j'ose dire, au confinement, à travailler dans l'ombre, au service du tissu industriel, mais sans rentrer dans les confidences, peut-on dire quelques mots sur les terrassonnés, pour les terrassonnés qui s'inquiètent de savoir si toutes les entreprises vont pouvoir reprendre suite à la crise? Écoutez, là, c'est une question difficile. Je m'abstiendrai d'aller au fond de mes pensées. Malheureusement, sur notre territoire, il ne se passe pas grand-chose depuis 2014-2015. Il y a peu de création d'emplois, puisque la compétence n'est plus moi qui l'ai. La compétence, c'est la communauté de communes. Vous pouvez reconnaître que notre zone, vous la voyez, elle n'existe toujours pas. Notre zone commerciale et artisanale, eh bien, il y a encore de la place, il ne se passe pas grand-chose. Les dernières structures que j'ai calées, je pense qu'il y en a encore une ou deux qui devraient voir le jour. Ça fait toujours des emplois supplémentaires. Sorti de ça, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose sur notre bassin. À mon grand désespoir, je dis bien à mon grand désespoir. Mais en ce qui concerne le sujet actuel, compte tenu de ce qui nous est arrivé, j'espère que toutes les entreprises artisanales vont pouvoir reprendre, que le commerce va pouvoir rouvrir. Je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir vous répondre, espérons-le. En tout cas, nous ferons ou je ferai tout ce que je pourrai pour, au niveau des banques, au niveau de tous les, je dirais, de toutes les, la réactivité qu'on peut avoir dans ces cas-là, dans la plus grande discrétion, bien entendu, pour que tout rouvre rapidement. Un mot sur le marché, vous savez que le marché a été rouvert, tout ce qui est alimentation. Alors il est certain que rouvrir le marché dans son intégralité, je ne suis pas d'accord dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que je pense que pendant une semaine, voire 15 jours, peut-être voire plus, réinstaller toutes les structures qu'on voit fleurir le jeudi, je pense que la priorité, quand même, c'est les commerçants de terrassons. Voilà. Donc, le marché ne rouvrira pas en totalité avant au moins une quinzaine de jours, sinon plus. Je vous explique pourquoi. C'est un choix délibéré. Je pense que le commerce à terrassons a besoin de clients. Et je pense qu'il y aura un réflexe terrassonné, il existe déjà, de consommer à terrassons. Consommer à terrasson parce que vous savez, ils ont beaucoup de courage, nos commerçants, donc il faut les aider et il faudra les aider au maximum. Et je pense qu'on sera là pour les aider. Du côté entreprise, les échos sont bons. Au niveau des entreprises, eh bien, espérons, les entreprises industrielles, je ne me fais pas trop de soucis, malgré qu'on a quand même, des craintes, il faut bien reconnaître. Il y a des gens qui. Des gens qui prônent le développement économique et qui délocalisent, ça c'est pas, on va me dire que, je suis touché au premier chef peut-être, puisque, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, on va me dire, mais quand vous êtes actionnaire, d'une façon quand même encore importante dans une société, puis en même temps, quand on ne tient plus les manivelles, les gens, au plus haut niveau, c'est eux qui les détiennent et c'est eux qui prennent les décisions. Alors, le tissu industriel, je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Le côté artisanal, non plus. Mais ce qu'il nous faut aussi, c'est relancer cette dynamique, je dis bien, cette dynamique de l'emploi, parce qu'à terrassons, il nous faut de l'emploi. Vous savez, quand on crée de l'emploi, comme je le dis souvent, quand on crée de l'économie, on crée de l'emploi, et quand on crée de l'emploi, on crée quand même de la valeur ajoutée, créer une manne qui permet de développer ce bassin de vie. Voilà. On n'est pas encore sorti de la crise sanitaire complètement, mais s'il y a des artisans qui ont encore des difficultés pour la reprise, ils peuvent encore... Je sais qu'il y a une cellule de crise qui a été mise en place en mairie. Est-ce que vous suivez de près quand même la reprise de tous ces artisans, quoi? Est-ce que c'est au plus près quand même? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que... Vous savez... La ville de Terrasson est quand même une entreprise importante en termes d'investissement. Je dis bien en termes d'investissement. Bien sûr que la ville de Terrasson fait beaucoup d'investissements. L'an dernier, on a fait encore 6,5 millions avec les restes réalisés d'investissement. Ça donne beaucoup de travail aux entreprises. Je dis bien beaucoup de travail.
Certes, on ne pourra pas continuer sur cette foulée, mais je pense que dans le budget 2020, il y a déjà, bien entendu, ça vous connaissez ma façon de fonctionner, vous avez la vie Dieu qui est un investissement important, qui est un investissement de près de 7 500 000, où les travaux vont démarrer. Et puis vous avez la chapelle Mouret qui est absolument, il faut sauver cette église, qui est du 9e, 11e. C'est un patrimoine très important, toutes les formalités sont remplies au niveau des bâtiments de France, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces, parce que c'est un travail déjà de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc tout ça, ça va démarrer sur 2020, et certainement qu'il y aura encore d'autres projets qui vont être ciblés, fléchés, pour les années 2020, 2021, voire 2022, parce que là, il faut bien préparer la nouvelle mandature. Et je pense que de ce côté-là, ça va bien se passer. Déjà, je dirais que la gouvernance est assurée, donc c'est une bonne chose. On a de bonnes équipes, tant au niveau administratif qu'au niveau technique. Je pense qu'ils auront encore besoin de moi, tout au moins c'est ce que j'entends dire, et je me suis engagé un petit peu. Donc, comment est-ce qu'on dit chez nous, j'ai l'habitude de dire, j'essaierai de bricoler encore un petit peu à la mairie de Terrasson, quoi, voilà. Et puis je pense que le maire qui va être mis en place rapidement est un garçon sérieux, qui connaît bien les rouages administratifs, les rouages techniques, qui connaît bien la population de Terrasson, qui connaît bien son territoire, qui aime sa ville, comme moi. Donc avec ça, si vous voulez, il y a quand même j'ai confiance. Voilà. Et la confiance, c'est beaucoup. Alors pour l'instant, tout n'a pas le droit de rouvrir, comme les cinémas, les bars, les restaurants. Mais comment ça va se passer au niveau des jardins de l'imaginaire, au niveau de la maison du patrimoine et au niveau de la médiathèque, vous en parliez tout à l'heure? La médiathèque, ça y est, tout est en place pour la rouvrir. Voilà, avec les gestes barrières prévus, c'est facile à la médiathèque parce qu'on a des escaliers, on a un ascenseur, les gens vont entrer d'un côté, sortir de l'autre. Bon, etc., etc. On a mis tout un dispositif en place. D'ailleurs, les gens pourront prendre davantage de livres. Il n'y aura qu'une personne par famille qui viendra, etc., etc. Je ne vais pas vous donner, il y en aurait 10 pages. Bien moins important que les circulaires qu'on reçoit de l'administration française. Voilà, c'est une parenthèse. Mais tout ça, ça va bien se passer au niveau de la médiathèque. Alors, en ce qui concerne la saison touristique, je pense que la saison touristique, on peut dire qu'on peut y faire une croix dessus. En grande partie, mais il faut être prêt, il faut anticiper. Donc on a anticipé. Est-ce que la saison touristique va démarrer? Bon, je crois qu'on aura quand même une saison touristique intéressante, pour la bonne et simple raison que d'une part, les Français à 80 ou 90% vont rester en France, vont se promener, j'espère tout du moins. Et donc il se peut que juillet, août, septembre, déjà on a pris certaines décisions pour laisser les jardins ouverts, les mercredis du bassin, etc., etc. Les décisions sont prises pour aller jusqu'à fin octobre. Je pense que jusqu'à fin octobre, on pourra peut-être avoir une petite manne touristique supplémentaire. Donc ça, il faut l'anticiper dès à présent. Donc il va de soi, bien entendu, qu'on va essayer d'aider très modestement les restaurateurs, les cafetiers, etc. Il n'est pas question d'en faire payer les surfaces, il n'est pas question de ci, il n'est pas question de ça. On va essayer de les aider au maximum. Mais je pense qu'il faut qu'on prévoie également, bien sûr, que le feu d'artifice, on n'en parle plus. Le festival, on n'en parle plus. Enfin, il y a beaucoup de manifestations qui sont dès à présent supprimées. Le vidéomapping, par exemple? Ah oui, oui, ça non plus. C'est pareil, il y a trop de risques. Le vidéomapping sera également, jusqu'à preuve du contraire, supprimé. Alors, dernière question, Pierre Delmont, vous n'auriez jamais pensé terminer votre mandat dans une situation aussi grave. Quelles sont vos recommandations, votre ressenti, votre mot de soutien auprès de vos administrés? Vous savez, je ne sais pas, là, vous me posez une question. Vous savez, moi j'aime ma ville, je l'ai prouvé, 31 ans. J'ai donné beaucoup, comme j'ai eu l'occasion de le dire, avec mes tripes, avec mon cœur. J'ai étonné beaucoup de ma personne. Je pense que c'est vrai que c'est la pire des choses qui pouvait m'arriver. C'est comme ça, il faut assumer. Et on assume. Et j'ai une équipe derrière qui me suit et qui assume.
Donc le mot que j'aurais envie de dire aux terrassonnés, tout n'est, je vais pas dire tout n'est pas perdu, bien au contraire. Je crois qu'il faut que les terrassonnés croient en leur ville, comme ils l'ont cru. Je pense que ce qui a fait la force de Terrasson, ce que j'ai été élu en 89, c'est la confiance. La confiance, c'est tout. Vous savez, quand vous avez confiance, quand vous avez, entre guillemets, un chef, quand tout est anticipé, tout est ciblé, c'est ce qui manque un peu à notre pays d'ailleurs, on ne sait pas trop où on va, mais la confiance s'installe. Et quand la confiance est là, eh bien, le développement se fait également. Espérons que je verrai certaines modifications sur ce territoire importante pour que ce territoire reprenne vie. Vous savez, je l'ai dit souvent, on est d'un côté en Abri et de l'autre côté en Apérigueux. Et il faut que Terrasson, qui est la ville-centre, puisse se trouver sa place. Jusqu'à présent, je pense que tout n'est pas fait pour que Terrasson devienne une grande ville avec des retombées économiques pour tout notre territoire. C'est ce qui manque. Une fois de plus, ce qui nous manque, c'est de l'emploi, c'est de l'économie. L'économie, ça tombe du ciel, il faut aller la chercher, cette économie. Il faut aller la chercher. C'est un savoir-faire important. Il faut se donner les moyens également. Mais je pense qu'on a tout ce qu'il faudrait, ou tout au moins on a tout ce qu'il faut pour attirer ce territoire qui demande qu'à grandir, qui demande qu'à grossir. Attention, je n'ai pas dit qu'on avait des prédateurs à droite et à gauche, et à Périgueux et Brive, il faut faire attention. Il faut qu'on devienne, comme j'ai dit, il n'est pas question, j'emploie le terme, je vais l'employer, je l'ai déjà employé une fois, une deuxième fois, il ne faudrait pas que Terrasson perde son âme. Parce que si Terrasson perd son âme, c'est tout ce bassin qui perdra son âme.